une déclaration commune de sortie de crise. Suite aux séances de concertation des 5, 6 et 10 février 2014, tenues au ministère de la Promotion de la Jeunesse et des Sports et des Loisirs, pardon, sous la présidence du ministre, les acteurs du handball, répondant à l'appel à l'union de la tutelle, se sont accordés à œuvrer ensemble dans le cadre du fonctionnement de la Fédération ivoirienne de handball, présidée par le docteur Werega Joseph. À cet égard, le ministre a pris acte des points d'accord relatés dans le procès-verbal, dont notamment la révision des textes aux standards internationaux lors d'une assemblée générale regroupant l'ensemble des clubs avant le 15 mars 2014 et la mise en place d'un comité paritaire devant procéder aux réglages techniques nécessaires. En présence de Monsieur le ministre, l'accord ainsi scellé ce jour lundi 10 février 2014 met fin à la crise qui prévaut au sein du handball ivoirien depuis le 20 janvier 2013. Fait à Abidjan le 10 février 2014, ont signé le club et centre de formation, M. Zéhi Sébastien, la Fédération ivoirienne de handball, le Dr Werega Joseph, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Moumouni Sila. Je vous remercie. La rencontre de ce jour est la suite logique de la première qui a eu lieu le 5 février dernier, où nous appelions à l'unité autour de la petite balle. Le handball en Côte d'Ivoire n'est pas appelé à disparaître. C'est le message que nous avons voulu faire passer à tous nos concitoyens qui n'ont cessé de nous appeler à tout mettre en œuvre afin de permettre à la Côte d'Ivoire de repartir de plus belle à la conquête des cœurs aimant le handball sur les terrains d'Afrique et du monde entier désormais. Le handball qui a donné à la Côte d'Ivoire l'occasion d'écrire ses plus belles pages de sport a besoin de l'assistance de l'État. C'est pourquoi aujourd'hui doit être compris comme le nouveau départ vers la professionnalisation qui devra être une réalité en 2015. L'année prochaine, la saison du handball doit donner l'occasion aux Ivoiriens de remplir les salles du Palais des Sports et toutes les futures salles de jeu qui, à la demande du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, doivent ouvrir sur l'ensemble du territoire national. En 2015, la Fédération ivoirienne de handball a pour mission d'organiser le premier championnat professionnel avec une dizaine de clubs professionnels. Le comité paritaire, aux côtés d'experts de tout secteur, nous soumettra d'ici le 15 mars 2014 les conclusions pour l'organisation de ce championnat professionnel que nous appelons de tous nos voeux. Je renouvelle l'appel à l'union de tous les acteurs qui ont servi le handball et qui veulent toujours servir le sport en Côte d'Ivoire. Un appel à mettre de côté les égos dévastateurs. Notre pays a besoin de se réconcilier avec lui-même et les Ivoiriens ne nous pardonneront pas la division dans le sport. Je voudrais terminer en saluant ceux qui ont contribué à ramener autour de la table les enfants du handball. Je voudrais remercier M. Werega Joseph et M. Zéhi Sébastien, ainsi que tous les autres amoureux du handball, dont vous voyez certains dans cette salle.
je voudrais leur demander de transmettre à tous les autres la disposition, la disponibilité du ministère, mais surtout l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à les accompagner. Désormais, messieurs, vous devenez les garants du succès du handball en Côte d'Ivoire et vous avez tout notre soutien. Le meilleur est à venir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.